Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un test sur Metal Gear Solid Twin Snake, le remake de la version PlayStation 1 et oui, sorti sur GameCube, édité par Konami, développé par Silicon Knight. C'est un jeu d'infiltration sorti le 26 mars 2004. Et oui, dans cet opus remake, Solid Snake doit infiltrer Shadow Moses dans une base militaire en Alaska afin de sauver des otages. Le joueur trouve tout au long de l'aventure de nouvelles armes et de nouveaux équipements, tout en alternant dialogues, séquences d'infiltration et combats contre les boss. Le scénario hollywoodien allié à de nombreuses cinématiques en font un très cinématographique film. Putain, j'ai la misère à dire ce mot, eh oui. Ça va être la première partie, je vais faire une deuxième partie de ce test. Et puis, je vous laisse une petite intro. You're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop what if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. Gets as close as it can. Dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit. And one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Hulk and Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake. This is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment, OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Et voilà, superbe vidéo, digne d'un film. Et oui, c'est le remake avec une sublime musique d'intro. 87-2004, la première sortie, je crois. Pas sur Nintendo ordinaire, il a sorti sur MSX, pas sûr, ou je me trompe, là je vérifie. Et puis, comme je disais, c'est le remake du premier au PlayStation, en mieux fait, le même jeu, mais en plus beau. Bon, pour commencer, on va appuyer sur Start, et voilà, New Game, Load Game, les options, on va aller à Option, on a le Rumble. Moi vu j'ai la manette Wavebird sans fil de GameCube, ça change rien. La radar, c'est pour avoir le radar, notre type, on a 2 sélections je crois. Le son A1, le son en stéréo, les subtitles, c'est le sous-titre, on va le mettre A1.
dans ce Metal Gear 1, on a la première vue, comme dans le 2, qui a sorti sur PlayStation 2, et oui. Et voilà, le item Windows et les ajustements. Et voilà, on va commencer ensuite le briefing et les spéciales. Ça, ça va être l'histoire et tout. Ok, ça c'est quand on tue des personnages dans le jeu, on ramasse des dog tags et puis on a plein à ramasser. Ensuite, nous avons des photos et d'autres choses. Bon, nous allons commencer une nouvelle partie et voilà. Je vais le prendre très facile et voilà, et oui les potes. Radar type select, nous allons prendre le type 2. Et voilà. Nous allons avoir un petit vidéo. Je crois, et oui. Superbe musique, encore une fois. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swap down a couple of bothersome flies. Et voilà, superbe, on vient de s'introduire dans la base, et oui, la radio, évidemment, on va passer ça, et voilà, on appuie sur Y, ça va super vite, et voilà, on est au cargo dock, on commence, on a notre masque de sous-marin, on va aller voir dans l'eau, il y a des objets, vu qu'on a, on est à très facile, en même temps qu'on joue. Nous avons les titres qui ont des noms des personnes qui ont fait le jeu, super bien foutu. En haut à gauche, nous avons notre jauge de vie. Et en dessous, nous avons notre CO2. Je veux dire le O2, c'est l'oxygène qu'on a. Je crois qu'on a AP sensor. Oh putain, je fais attention. Et voilà, superbe effet d'eau quand qu'on... quand on sort de l'eau, et voilà. Je vais faire attention, faut que j'aille l'autre côté. Faut que je monte dans l'ascenseur, c'est comme au PlayStation 1, et oui. Mais en 10 fois plus beau. Et voilà. Oh putain, je me rappelle plus des pitons. Et voilà, on a la première vue avec le Z. Oh putain, et voilà. Super bien foutu, qu'est-ce qu'on n'a pas au PlayStation 1. Et voilà, je vais m'accroupir. Oh putain, on va passer en tour de cela. Oh putain, ça y est, il y a un garde. Faut pas que je me fasse voir. Ceci étant dit, ça va être la fin de la première partie sur Metal Gear Solid Twin Snake sur Nintendo GameCube. Un jeu développé et édité par Konami et Silicon Knights. C'est un jeu d'infiltration. Et je vais faire une deuxième partie de ce jeu. Et je vous remercie à tous. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine.
Capitaine.